Christy a attendu si longtemps pour avoir de nouveaux parents. Et puis un miracle s'est produit. Elle a été adoptée. Bonne chance avec ta nouvelle famille, Christy. C'est si dur de quitter l'orphelinat. Mais je dois me dépêcher. Les nouveaux parents attendent. Ils ont même envoyé une voiture pour venir la chercher. Wow. La voilà, ma nouvelle maman. C'est une superstar mondiale. Quel voyage rapide. Maman, papa, je suis à la maison. Oh, mais qui c'est? Laissez-moi passer. Mais les paparazzis ne manqueront pas une occasion de prendre une photo. Il va falloir t'y habituer. Christy est la fille d'une superstar maintenant. Dommage que Christy ne puisse pas poser pour les caméras. Mais elle y pensera plus tard. C'est son premier petit déjeuner en famille. Ma chérie, voici Thomas, ton nouveau papa. C'est si agréable d'être en famille. Tout le monde est si heureux. Ils en ont même oublié les bonnes manières. Tant de choses délicieuses. Ce n'est pas grave, ça arrive. Laisse-la être heureuse. Christy n'a pas besoin de bonnes manières pour que ses parents l'aiment. Encore ces paparazzi. Ils sont partout. Regardant par les fenêtres, grimpant par les portes. Sérieusement, devrions-nous annuler notre promenade? Oh, réfléchis. J'ai une solution. Pourquoi pas un déguisement? Ça devrait marcher. Qu'en pensez-vous? On est méconnaissables. Allons-y. On dirait que la voie est libre. Mais ça ne ferait pas de mal d'avoir une certaine assurance. Bonjour, nous avons besoin d'une distraction. Ok, patron. Les paparazzis sont si crédules. Voilà notre star. Ça va faire sensation. Pas aujourd'hui, mon pote. Donne-moi la caméra. Oh non! Comment a-t-il pu tomber dans le panneau? Le chemin est libre, famille. Suivez-moi. Yay, l'évasion a marché. Et les paparazzis vont devoir acheter une nouvelle caméra. Annie déchire la scène. Ses fans aiment tellement ses chansons. Les applaudissements et les cadeaux sont normaux pour Annie. Les concerts sont si épuisants. Mais Christy a beaucoup d'énergie. Bien sûr, puisqu'elle va recevoir tous ses cadeaux. C'est génial d'être la fille d'une superstar. Et après le concert, vous pouvez vous arrêter dans un café pour manger un délicieux hamburger. Les paparazzis et les fans sont là aussi. Souriez! Une séance d'autographe? Bien sûr. Mais parfois, c'est tellement ennuyeux. Partons d'ici. Annie est une pro de la dissimulation. Oh, où est notre star? Elle s'est volatilisée. Elle a tellement de talent. Et la famille est enfin en sécurité. Ouh, ils se sont échappés. Et Christy a même apporté ses hamburgers avec elle. Bon travail. Tu veux manger? C'est encore lui. Oh, bien. Maintenant, tout le monde va savoir qu'Annie aime les fast-foods. Mais ce n'est pas grave. Le burger est vraiment très bon. Bienvenue au concours de talent. Cette soirée va être intéressante. Voici le premier concurrent. Le ukulélé est sa spécialité. Oh non! Que quelqu'un le mette en sourdine! C'est un échec. Vous obtenez 2 points, jeune homme. Vous devez continuer à vous entraîner. Et que pensent les juges de cette danse? C'est mieux. Tant d'énergie. Tellement d'émotions. Beau travail. Mais vous n'obtenez toujours pas la première place. Voilà Christy. Elle veut participer. Bonne chance, ma chérie. Aujourd'hui, Christy va chanter une chanson. Elle veut être comme sa mère. Mais elle n'est en rien comme elle. Oh, cette voix est horrible. Pas moyen. Oh là là, mais qu'est-ce que ces juges connaissent de la musique? Annie va arranger ça. Christy et sa mère vont chanter un duo. Que dites-vous de ça, critique de musique? C'est la seule et unique Annie. C'est beaucoup mieux. Bravo! Bravo! Et voilà, 10, 10 et 10. Nous allons certainement gagner. Annie a une grosse journée aujourd'hui. Elle doit faire une interview. Toute une équipe de journalistes est venue chez elle.
C'est parti. Voici la superstar. Mais Annie n'est plus seulement une chanteuse. Elle est aussi une maman. Et son enfant a besoin d'attention. Salut, ignorez-moi. Je prends juste mes livres. Il semble que l'interview ne sortira pas aujourd'hui. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Vous savez, il y a un enfant dans la maison. Un enfant? Nous devons l'interviewer tout de suite. C'est une vraie exclusivité. Christy, parlez-nous de votre famille. Oh, j'en serais ravie. Les interviews sont si intéressantes. Oh non, j'espère qu'elle n'en dira pas trop. Plus d'interviews à la maison. Toutes les mamans ne sont pas des stars de la pub, n'est-ce pas? Mais Christy a tellement de chance. Sa belle-maman est si célèbre. Et son parfum est magnifique. Il y en a tellement. Waouh! Testons-les tout de suite. Oh, ça ne sent pas bon du tout. Mais c'est mieux de ne pas en parler à maman. D'ailleurs, la voilà. Ma chérie, nous avons un cadeau pour toi. Papa et moi avons pensé qu'il était temps pour toi de gagner ton propre argent. Tada! Voici ta ligne de couche personnelle. N'est-ce pas adorable? Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Ce ne serait pas mieux de faire de la publicité pour des parfums? Mais tu ne peux pas contrarier tes parents. Va pour les couches alors. À venir, une autre séance d'autographe. Oh, mais si vous êtes une star, vous devez travailler dur. Waouh, je suis vraiment belle sur cette photo. Ok, on continuera après une tasse de café. C'est si joli dans le bureau de maman. Il y a des photos d'elle partout. Wow. Je dois faire un cadeau à ma mère. Je sais qu'elle va adorer ce dessin. C'est pour toi, maman. Il te plaît? Bien sûr, Christy, c'est un vrai chef-d'œuvre. Accrochons-le. Il y a tellement de choses que tu peux faire quand tu t'ennuies. Tu peux inventer quelque chose à partir de littéralement rien. Et les parents aimants sont toujours d'un grand soutien. Christy, ça va être la nouvelle tendance. La voilà, la future star de TikTok. Que diriez-vous d'une petite vidéo familiale? Hey les abonnés, regardez ce que ma Christy peut faire. Elle est si talentueuse. Et Annie avait raison. Tant de likes en une seule minute. C'est comme ça que les tendances fonctionnent. Il y a un concert important qui arrive. C'est un si mauvais moment pour avoir un rhume. Bonjour, le concert est annulé. Thomas? Thomas? Mon mari attentionné est toujours là pour moi. Annuler le concert? Mais comment? Tous les billets sont vendus. Il n'y a rien à faire. Annie ne sait pas chanter. Il semble qu'il y ait une solution après tout. Annie, Christy va chanter pour toi. Tu es comme deux petits pois dans une gousse. Je ne sais pas. Attends de voir par toi-même. Annie, notre fille va s'en sortir. Peut-être que quelque chose de bien sortira ce... Oh mon Dieu! C'est tellement effrayant! Ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis avec toi. Bonne chance sur scène. Et sors de cette zone de germe. Maman peut regarder le moment de star de sa fille. C'est l'heure du concert. Christy est si belle. La fille à sa maman. Allez chérie, chante. Non, il n'y aura pas de chanson aujourd'hui. C'est mieux de montrer au public ce que Christy fait de mieux. Excellent travail. Bien joué, Christy. Pourquoi mes parents sont toujours si occupés? Ils n'ont même pas de temps pour moi. Pas maintenant, ma chérie. Oh, mais combien de travail a-t-elle? Peut-être que maman va se coiffer maintenant. Pas maintenant, chérie. Annie est en train d'avoir une conversation importante, comme d'habitude. Et il vaut mieux ne pas la déranger pendant le photoshoot. Elle a toute une équipe de professionnels qui travaillent pour elle. Maman? Pas maintenant, ma chérie. Comment puis-je communiquer avec ma mère? Ça ne marche pas. Mais Annie prendra la bonne décision. Toutes ces vidéos, ces tournages, ces concerts... Elle en a marre. La famille est ce qu'il y a d'important. Je suis à la maison, Christy. Tu voulais que je te coiffe? Allez, on commence. C'est ce qu'Annie a toujours voulu être. Une mère. Tu as aimé notre nouvelle vidéo?
Souhaiterais-tu que tes parents soient des superstars? Dis-le-nous dans les commentaires. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Ne manque pas d'autres vidéos drôles sur Troom Troom Wow!